Je trouve que faire moins 500 LP moralement, c'est trop compliqué. C'est une descente aux enfers qui est trop dure pour... C'est vrai que leur idée de 7 3.5, je sais pas si c'était si bien que ça. Hein. Au final, personne n'y joue. Ça renouvelle rien du tout et on se fait chier en fait. Les demi-sets avaient quand même un peu plus de punch, j'imagine. Olaf Brouzé. Funk 5 et moi c'est ça. C'est un peu. Ah merde, je voulais le vendre. Allez. Bon, le top 8, je sais pas quoi en penser. Mais voyez, là, j'ai pas envie de jouer ça. J'ai pas envie. Ça me saoule ces directions de merde. Voilà, je vends tout. Niquez vos mères. Ça me passe les couilles. C'est nul à chier. Y a rien. Y a rien. C'est vide. Toutes mes games, elles sont vides. J'en ai plein le cul. Je crois que j'ai plus envie de jouer à TFT en fait. Comment on fait là? Comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on joue? Un Tamcrot pour l'accompagner? Direct un gold, let's go. Le push il est quand même bizarre. Hein. Il y a les deux cons là. Ah, le push est bizarre. Allez. Ah, j'étais pas obligé. Dommage. C'est bizarre, mais avec ça, ça va. Où est-ce que je vais avec une Titan, moi? Que je fous avec une Titan. Poing, poing. En vrai, petite game pentakill là. Nous, on fait ça, hein. Et on retente Hardsteel. Mais mon Titan, c'est vraiment du caca.
Je crois pas. Hein. Allez, fuck hard steel. Passer de game. Je pourrais spread un peu plus ma backline en vrai. Faut éviter les accidents. Hein? Zéro gold? Eh ben, pas beaucoup zéro. J'ai pas eu mes sous. Ils sont où mes golds? Eh! Ah, ils sont là. Je fais une hoge, pas sûr, même si je peux. Non, ça c'est bien. Il voulait ça? Ah ouais. Nico Gant, c'était quand même pas mal, hein. Bizarre, bizarre. On va slam. On va prendre lui. On va prendre elle. Et du coup, on part quoi? Sur un plan de jeu autour de ça? Ça peut être sympa en vrai. Éventuellement, un truc comme ça. Niveau chibi. On vient de parler de lassitude et toi, boum, ça y est. Oh non. Oh, le gros con de Jax. Ok, ça va. J'ai cru qu'il allait tuer notre poteau, là. Putain, on a gagné 9 gold avec un demi en bonus. C'est quand même beaucoup. Non, 12 gold. Putain, mais... Que je fais ça. Un peu moins de dégâts. Lui, il est pentakill mosher, ça me permet de l'acheter. Ouais, je vire les deux cons. Peut-être, je sais même pas s'il part en fait, c'est ça le problème. Il était fort lui, hein. Bordel de merde. Attends, mais on le bat pas? Oh non! T'es plus fort avant? Quelle connerie! Putain, on aurait été trop bien si on avait gagné. Quelle connerie! Pas sûr que j'étais beaucoup plus fort. Hein. Là, j'aurais pu mieux me placer aussi. Une spat et une baguette. Allez, une spat. Alors attends. Parce que le truc c'est que... une game KDA en fait. C'est une game KDA. Monkey. Lilia. Ah, je vais prendre Lilia et Kennen.
Bon bah c'est une game KDA. Un Gangan. Ouais. Titan, ce sera devant, tant pis, ce sera un peu naze, mais avec 10 KDA. Non, par contre, en attendant ça. MG. Ça fait chier, Viego, il porterait très très bien ça. Tout se passe si bien, c'est bizarre, non? Je pouvais vendre lui. Je vais faire Gangan, chance. Ah, ça pouvait être Gangangnar, par contre. C'est tellement une game penta, mais... Putain, mais c'est tellement une game penta kill, au secours! Kali, elle va pas prendre ça quand même, c'est Clodo. J'imagine que ça va. On a tellement de blé. Le truc, c'est qu'il faut que j'ai absolument une baguette, quoi. Sinon, c'est une game pentakill, mais avec. Avec une faune. Sympa aussi. Après j'ai mis Gangan sur Viego plutôt que Gnar, donc c'est un peu, ça m'a un peu niqué. Des bons items à Rii. Il y a tellement de directions possibles là, c'est vraiment bizarre. Après j'en ai déjà beaucoup, j'ai déjà coffré beaucoup. En vrai. Parce que sinon il y a le 10 pentakill, mais il faut deux armures, alors que là il faut une baguette. Si je peux pas avoir d'armure de baguette au carreau, je prends une armure. Du coup, si j'ai une armure ici, je peux faire le dipinta. Et on joue ça plutôt. Ouais, why not, hein? Putain, il a Yasuo 3, c'était ma game d'avant, ça! Bon, on est un peu faible, mais on a une écho de 101. On va l'avoir, hein, je pense. Je pense qu'on va l'avoir. Hein. On a juste à setup les 10 et on a gagné. Donc en vrai, peu importe les items et tout. Ma question c'est qui est-ce qui va devenir KDA? Parce que Kennen, oui. Et Echo? Il y en a un en trop. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Il y a 9 persos là. Ah, c'est juste Kelly en fait. Juste ça. Alors, mettons des KDA. Lesquels? Jack 3, ça fait deux Jax 3 que je revois en très peu de temps. Oh le Olaf? Olaf KDA? Il est fâché? On perd nos rounds. Ah, putain, c'est vrai qu'on a un mannequin en plus. Oh non, mais on est trop bien. J'étais pas dans les cases. Flûte. Flûte. Donc on fait un 4-2, on cherche un élu KDA, donc Akali ou Ahri. Et voilà. Et on a juste à acheter tout ce qu'il y a dans cette liste et on a gagné. Youpi! Ah, il faut être au niveau 9 quand même. Non? Ah oui, non, si, il faut être au niveau 9. Là, j'ai pas dit KDA.
Non, faut aller au niveau 9. Avec Echo. Enfin, ça peut être autre chose que Echo, mais. Echo, il est bien. On perd tous nos rounds, par contre. Flûte. Enfin, t'es bien de gagner un peu. Faudrait que je transis. Comment jouer au niveau 9? Je grid mon 9. Je passe pas par la case 8. Je me dis qu'avec ce board, je suis assez fort. Je peux dupliquer un truc. Oh, la double spade pinta. Putain de jeu de con. Vraiment? Vraiment? Le jeu est détestable. Mais j'aurais dû prendre ma chance. Bon, vas-y, toi, tu rentres. GS. Osef, hein, de toute façon, faut faire des kills. Putain, mais lui c'est un HS qui est allé en 4-1 et qui a. Ah, il a déjà ça. Est-ce qu'on vend Olaf et qu'on roll un peu ou est-ce qu'on va direct au 9? J'ai beaucoup de PV, mais je vais plus en avoir beaucoup très très vite quoi. 55, 1, 2, 3, 4. 4 défaites. Faudrait que je tombe contre un mec pas trop fort en fait. Et on a gagné. C'était peut-être ta cause du coup. C'est vraiment des gros bâtards. On va quand même mettre ça. Overbruiser. Mais il y a lui là. Mieux que Gnar. T'es mieux qu'elle surtout. Très bien. On garde notre dupli pour genre une Nico 2 ou je sais pas quoi. Il est pas ultra fort lui, mais. Est-ce qu'il nous bat pas quand même parce qu'on est ultra nul? Pas clair hein. Oh là là, on gagne, je pense. Oh putain, la win a fait du bien parce qu'elle donne 3 gold plus des PV et du temps. Ah ouais, non, c'est parfait. C'est parfait. Non, tu pas le poteau. Non, mais putain, on perd 3 gold. Bon. C'est important de gagner. OK. Faut absolument que je trouve un élu KDA là. Hein. Ah mais lui c'est vraiment un turbo clodo aussi. Si je gardais Cage, j'avais peut-être moyen de faire mieux que ça. Joueur Alpha Léox. J'ai peut-être un peu trop. Ouais mais faut que je roll. Non, faudrait que je roll. Non. On y va, on aura 40 balles. On va trouver soit Harry, soit Akali KDA. Ça peut être Nico KDA. Ça peut être. C'est tout. Nico, Harry, Akali, ça peut être que les trois. Elle, j'en veux plus. Elle, j'en veux plus. J'en veux plus. On va perdre nos rounds, c'est fine. On en a gagné un, donc on est safe. Attends, mais on perd pas peut-être. Mais Mordekaiser 2, c'est quelqu'un. Hein. On a gagné deux rounds. Oh, ouais, d'accord. Bon, let's go. Let's go, c'est gagné. C'est topping. Après toutes ces défaites, toutes ces difficultés à être intelligent.
Bon, la Harry a pas Blue Buff, a pas de vitesse d'attaque, mais on a un rêve, c'est déjà pas mal. En vrai, est-ce que c'est vraiment lui? Il est un peu sus, hein. On peut mettre un truc qui carry fort, non? Un bon perso, genre une Lege plutôt. En vrai, le Cartus KDA, il est bien, hein. No joke. Que lui, il reste. Il y aura exec et tout. Peut-être qu'il reste le Cartus, hein. En vrai de vrai, peut-être qu'il reste. Ah, parce que Echo, il est cringe. Allez, deux rounds. Boum! Ah, il y a Zeggy 3. Il y a lui niveau 3. Bon, si on avait Cartus 2, on pourrait peut-être gagner, mais. Parce qu'en fait, il a pas beaucoup de perso, donc en fait. Ouais, c'est pas mal. Et il a Healing Orb. Donc ça va, il va se régénérer de fou. Ah, le Healing Orb marche pas parce que. C'est un ghost. Très très bien. Attends, mais si on peut refaire une victoire, par contre, c'est le paradis, what the fuck? Oh là là! Juste parce que c'était un ghost, et du coup, on gagne 3 gold. Oh. Merde. Pas grave, on a vendu une Lilia, pas grave. C'était plutôt elle qu'il fallait vendre, mais c'est pas grave. Bon. Ouais, j'ai pas besoin de Séraphine non plus. Enfin, il me les faudra niveau 2, mais. Elles vont me perturber pendant mon rôle, non? Bon, vas-y, on va les prendre. Non, vas-y, vas-y, on va les upgrade. Ça va être 10 KDA quand même, ça va pas être rien. Bon, bah, plus qu'un round à encaisser. Donc, même si on perd, on s'en fout. Et maintenant, on va tomber contre les. Vrai dégen, donc on va perdre, mais c'est ok. Ah, il a eu 7-3 lui. On est ok. On a beaucoup de thunes, on a beaucoup de PV. On peut la trouver en deux rounds s'il faut. Oh, ce serait bien de refaire des kills vite fait. Non. Ah, dommage. Eh bah putain, heureusement qu'on a gagné ces trois rounds. Hein. On pouvait en gagner que un, mais. On aurait eu un pef, quoi. Cartus, c'est pas si mal. Non, lui, je pense qu'il va rester. Vu que j'ai pas d'item Harry, en fait, je pense qu'il va rester. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, si j'avais eu des meilleurs items pour Harry, j'aurais probablement viré pour lui mettre, mais j'ai eu vraiment de la merde. Je roule un peu lentement parce que je réfléchis à. Ah, c'est pas la bonne. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative quelque part? Nico, il y a. Merde! Ah ouais. Ah merde, je peux pas. Parce que j'ai deux Akali de merde. Très bien. Qui veut rentrer? Yorick? Il doit être pas mal. J'ai des bons items, Yorick. Hop! Alors, Nico, elle prend ça. Akali, elle va prendre ça. On va se faire une Gunblade. On va mettre ça ici. Bon, j'ai mon duplicator pour Nico 2. Le Cartus d'IKDA, il rigole pas, hein.
Très énervé quoi, par le fait que j'ai eu 2 spots. Ça fait 1 heure que j'ai pas scout. No. Très bien. Bon, j'ai pas de front, mais... Bon. Il y a Akali. Plus de 2 ut. Il est pas très très fort lui. Non, c'est juste Mako qui a lâché. Je sais pas pourquoi. J'ai pas BSOD. Bah, mieux que Karthus, je suis pas sûr. Pas avec Karthus 2. Et pas avec ses items. Sona 1, c'est un peu fake. Coup d'amage, c'est rigolo. Mais en vrai... La spat exec, c'est rigolo. 4 gold sur un steadfast ici, c'est cool. Non, mais en fait, j'avais encore internet, je sais pas, j'ai juste du... Ça arrive, des fois, ça coupe internet. Mais j'ai encore internet sur ma box, j'ai internet sur mon PC, techniquement. Sauf qu'il n'y a pas accès à internet. Mais le PC me dit j'ai accès à internet. Je reboot et c'est bon. C'est vraiment très très bizarre. Bon, qu'est-ce qu'on veut ? En vrai, je pourrais prendre Kenny over lui, mais ce serait un peu bizarre, non ? Nico, c'est tout. Nico, Yorick. Je pourrais changer de place et mettre un rang de plus. Après, normalement, on dit KDA. Bon. Voilà quoi. Il y a assez peu de chances de faire un bottom. Hein. Mais il faudrait Yorick 2. Avec Yorick 2, je suis sûr à 100% de jamais bottom. Et déjà, Nico 2, ça ferait bien plaisir. Ça ferait un sourire, en fait, je pense. Il y a lui, hein. Sinon, mais... Non, mais ça enlève des trucs trop bien. Non, il n'y a pas de sourire, là. Là, il n'y a pas de sourire, malheureusement. Ah là 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 là, c'est chiant de pas pouvoir sourire parce que le jeu il donne pas les choses. Je suis un peu obligé de les laisser dans les cases tellement c'est fort, mais du coup c'est chiant parce qu'on est pack. Mais lui il a aucun reach backlane et on a Harry sur son tank. Donc en vrai... Mais je suis sûr que même eux font des dégâts de zinzin en fait. Ils ont tellement d'AP, ça a aucun sens. Ah ouais, Yorick est mort. Hein. En vrai, what the fuck? Lui, son punk, il réussit, hein, putain. C'est pas mon punk. Hein. Bon, il faut Yorick 2, Nico 2. Allez. Allez, allez. Allez, allez. Oui. Ah, là, je me sens bien. Là, je me sens en sécurité avec ça. Ah putain, c'est le crabe. Ah, flûte. On a une gunblade ici, une gunblade là. Peut-être pas déconner. On a Yorick 2. Il a pas de lifesteal. Hein. Du coup, c'est quoi le quiz? Bah, tu l'as loupé. Ce sera une fois par stream désormais. Ouais, une fois par stream. Après, on a tellement de dégâts de PV et tout que normalement ça passe. Oui. En fait, si je perds contre le crabe en 10 KDA, c'est vraiment terrible. Du coup, on veut du Gear Harry. Ah bon. On a de l'anti-heal ? Non. Plus de l'anti-heal. Jamais de chance. Tu seras là sur le stream de demain, t'inquiète, c'est une fois par jour, on a dit. Bon, je vais au niveau 9 du coup avec ça. Putain, ça aurait été mieux GS Harry. Peut-être que fallait que je remove. Morello ici, GS Harry, c'était mieux. J'ai pas réfléchi. Et du coup, on rentre... Gnar.
On veut Gnar maintenant. Comme ça, on fait sauter, on remove et voilà. Ah oui, oui, Gnar. Non mais là c'est bon, on a fait une vraie game, ça y est. Après ça aurait vraiment dû être une game d'Ipinta, et le jeu nous a un peu troll. Mais bon. Non mais ça aurait dû... J'ai eu deux spats au PvE. Je sais pas si c'est basé. Alors moi je t'avoue que je vais pas perdre avec DKDA là. Le seul moyen de perdre c'est un 4 cost 3 étoiles et j'ai surveillé donc... Normalement tu peux pas trop perdre avec ça. Il tente le trèche là? Il a pas les golds, si. Dans le doute. Mais je sais pas, j'ai eu au PVE du stage 3, j'ai eu deux spats. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, il bouge pas, je bouge pas, hein. Il a eu 2, Sona 2 et tout, putain il est quand même bien setup mais. On a Yorick 2 quoi. Il est tellement bien setup. Il est énervé lui hein. Oh putain. Il est terrifiant hein. J'ai pas dit KDA, je le passe jamais ce mec, fais voir. Il a eu 2, Akali 2, full item de Zinzin, une Ari 2 de Zinzin. Une Sona 2. What the fuck. Bon, on a juste à push Gnar et on est content. Comme ça, on remove, on met GS, on met... Après... Je le mets pour remove, mais je veux pas le jouer, en fait. Non, je suis bien comme ça. Après, faut peut-être pas que ce soit lui qui prenne l'aggro. Peut-être que Akali, c'est bien vu qu'elle a l'aggro. Même s'il a 4000 PV. Faire un peu les dégâts des autres aussi. Solide, hein. Ah, le punk, il perd, hein. Attends, il perd. What the fuck, il a gagné. Et B. Vous ajouterez bien une spatule KDA à votre... Bon, on va prendre le 5 cost, on va mettre une Warmog sur n'importe qui. Elle est niveau 1, Bibou. Bibou. Et du coup, elle va tanker. Trust. Il s'est barré lui, ok. On a un trèche. Bon, faut en effet que je ne prenne pas l'aggro, je pense. Je vais inverser les rôles. Pas mal comme ça, non? C'est pas mal du tout. La Kali est stun et ensuite elle y va. Ouais. Et du coup là elle prend Karthus. Ouais. Trop facile de gagner contre un positionnement punk comme ça. En vrai. On dirait que c'était serré la dernière fois mais là du coup on l'a tenu. Oh putain, ça faisait combien de temps? Combien de temps qu'on n'avait pas eu ça? Oh, oh. Putain de merde! Non mais oui, les one cost reroll en fait, c'est pas la tech. La tech c'est d'avoir deux spats au PvE. Vas-y, faut se focus. En vrai, je sais que je peux remonter. Genre, là les lobbies étaient pas forts et tout. Non, faut pas que je me laisse aller. Faut pas que je win-win sur mes LP perdus. Il faut foncer tout droit vers la victoire. Bonjour, j'ai plus mon setup Nicolas Sarkozy, mais bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Heureux, non.
Non, non, il faut garder espoir, il faut garder le sourire, et l'important dans la vie, c'est de ne pas se laisser aller et de faire les pecs aussi. Comment ça, 45 LP? On a fait un top 1. Putain, on a fait un top 1, quoi. Ça y est. Ça y est!